Ministère public compte, M. Cécile Raphaël Lava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Brema Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouri Baye Lobaye et plusieurs autres, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Alpha Mahmoudou Diallo, quel est votre nom? Mahmoudou Diallo. Mahmoudou Diallo. Vous avez quel âge? Où vous êtes né? Quand est-ce que vous êtes né? 69, Pita. 69, Pita. Où vous êtes né? À Pita. Pita. Quelle est votre profession? Ligue. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Dans Modi Honto. Cimenterie. Cimenterie. Alors, dites au tribunal ce qui s'est passé. Oh, c'est pas né tribunal, on peut dire. Allez, on peut dire qu'on peut. Ce qu'on fait là, c'est stade. 28 septembre. C'est mon enfant qui a été tiré au 28 septembre. Allez, pas y on y va 13h, on est né le 28 septembre. Le jour 28 septembre, dans les environs de 13h. La Croix-Rouge m'a appelé. Ils m'ont demandé si je suis le père de Alpha Omar. J'ai dit oui, c'est moi. On a tiré sur lui au stade. Mais on l'a envoyé à l'hôpital Donka. Le docteur va vous appeler. Après, les docteurs m'ont appelé. Je suis parti à l'hôpital, il était alité là-bas. En ce moment, il n'était pas mort. C'est sur le ventre, ils l'ont tiré. Ils ont dit qu'il faut qu'il subisse des interventions chirurgicales. Et ce jour, la nuit, il a été opéré. Il a subi l'opération la nuit et le lendemain, mardi, 17h, il a rendu l'âme. Le lendemain, nous sommes partis chercher le corps pour l'inhumation. C'est ça. Comment il s'appelle? Soukam. Alpha Omar Diallo. Alpha Omar Diallo. Alpha Omar Diallo, oui. Ministère public des questions. Monsieur le Président, juste quelques questions pour M. Mamadou Diallo. Bien avant, le ministère public voudrait, par ma voix, vous adresser ses sincères condoléances. Bonne année, Médo. Et tout le monde, Gébi Lagol, Fatoune Alpha Marne. Dites-nous, M. Diallo, son cousin, lui, il a survécu. Dites-nous, Makok, Ondo Wurnone. Oui. Non, lui, il est revenu. Ok. Donc, selon lui, qui a tiré sur votre fils? Ça, je ne sais pas qui l'a tiré sur lui. Donc,
Ils n'étaient pas ensemble au moment où il a reçu la balle. Je suis venu à la maison. Bon, ma compréhension, ils sont rentrés ensemble. Et au cours de la bousculade, là, ils se sont séparés. Bon courage à vous, M. Diallo. Merci, M. le Président. Le parquet a terminé. La défense. Parti civil. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mamoudou Diallo. Et toutes mes condoléances. Je voudrais savoir si vous aviez pu récupérer le corps pour aller l'enterrer dignement. Yoni hare kambe be humpa sitay be jonnu tuno on fure on yawdon surro yidum le 29 ouais le 29 le corps nous a été restitué le 29 à 17h 29 à 17h mais le 30 on a eu le corps. Ça veut dire que le corps n'avait pas été amené à la morgue. Le 29 la nuit 29, il a passé la nuit là à la morgue. Ils avaient envoyé le corps à la morgue. Le lendemain, nous sommes partis chercher le corps. Sans aucune difficulté. Oui. Toute ma compassion. Je vous remercie. Monsieur Diallo, votre fils avait quel âge à l'époque? 13 ans. 13 ans. Louis, ça peut être 13 ans. Il était allé seul au stade ou bien il était avec des personnes que vous connaissez? Quand on trouve un cas, on ne voit pas. Bon, il est parti avec ses amis et d'autres personnes qui vont là-bas. Merci, Monsieur le Président.